Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Bonjour, merci. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oh oui, je vais bien. Vous venez d'où, vous, Jackie ? Moi, je viens de Bordeaux, à côté de Bordeaux. Ah, et j'habite vous... juste à côté, pas très loin du pont d'Aquitaine. Vous faites quoi là-bas ? Bah là, pour l'instant, je suis en retraite. Ouais. Et vous êtes bien occupé avec votre chien, je crois ? Oui. Vous passez beaucoup de temps avec lui ? Oui, il est très, très dynamique. J'aime bien avoir quelque chose à la maison. Ouais. Je comprends. Voilà. Et cette coupe, enfin ces objets, parce qu'il y a une coupe et un cendrier, ça vous vient d'où ? C'est un cadeau qu'on m'a fait. Mm-hmm. Et les Knoll, c'est un peu intemporel. À quelle occasion vous avez fait ce cadeau ? À mon départ de retraite. Ah oui. Vous faisiez quoi ? Eh bien, je travaillais dans la décoration. Vous étiez dans le milieu de l'objet ? Un peu dans ce milieu-là, oui. D'accord. Donc, vous vous séparez aujourd'hui de ce cadeau ? Vous n'en avez plus l'usage ? Oui, parce que c'est pas que j'en ai pas l'usage, je l'aime bien. Mais bon, j'ai un petit peu besoin d'argent. Et donc, vous pensez que peut-être ces objets peuvent trouver preneur à un bon prix ? Je pense que oui. C'est très à la mode. Hein. Oui, c'est Marc, intemporel. C'est très à la mode et puis c'est très beau. Oui. Ouais, c'est très beau. Angelo Mangiarotti, c'est il a juste, au fond, quand j'avais déposé des fruits, et j'ai pas voulu nettoyer. En fait, le fruit attaque le marbre. Le citron, notamment. Oui, le citron, même tous les fruits. Je crois que c'était des pommes. Oui, mais tous les fruits attaquent le marbre. À un moment donné, ça finit par l'attaquer. Donc, effectivement, c'est un petit peu jauni le fond. Enfin, très peu, sincèrement. J'ai juste mis un petit coup de produit à vide, c'est tout. Vous pensez que ça se rattrape ou c'est dans la matière maintenant ? Ah non, après quand c'est... C'est dans le vernis, parce que c'est vernis, voilà, faut le revernir, en fait. Voilà. Faut le revernir, exactement. Donc, Angelo Mangiarotti, c'était un personnage, un designer, architecte italien, qui est né en 1921, mort en 2012. Il était architecte, il a fait l'école de polytechnique de Milan. Il s'est investi dans l'architecture en général. Et comme il était très connu pour tout ce qu'il avait fait en termes d'architecture, eh bien, il a été très vite happé par les éditeurs, en particulier Knoll, Artemide ou Cassina, sur la conception donc d'objets utilitaires, objets de la maison, de ce type-là, totalement à l'opposé de ce qu'ils faisaient dans l'architecture. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est très beau. Oui. Mais l'usage de ces objets, donc c'est pas forcément une corbeille à fruits, parce qu'on a vu que ça réussissait pas à l'objet. En fait, c'est un objet de décoration, on met rien dedans, il se suffit à lui-même. Ou alors on le protège à l'intérieur. Oui, aussi. Voilà, on le protège à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'autrement, c'est un objet de décoration pure et qui est très dans l'air du temps aujourd'hui. Et ça c'est un simple cendrier. Ouais. Toujours. Alors moi, je pensais que c'était un vide-poche, pas un cendrier. Non, c'est un cendrier. Par contre, il n'y a aucune signature. Hein. Non. Il n'y a rien, il n'y a pas de signature. C'est simple, le design est purement Mangiarotti, édité par Knoll. C'est très beau. Ça date de quand à peu près ? Ça, c'est les années 70. Et après, à combien l'estimez-vous ? Oh, je vais dire 500 euros, mais vous allez voir, derrière, ils vont s'enflammer. Ils vont s'enflammer. J'espère. Vous espérez combien, vous... Moi, j'avais pensé dans les 700-800. Oh, oui, mais ils vont y venir, vous inquiétez pas. Ils vont y venir. Si vous voulez, écoutez, si vous voulez, moi, parce que mon épouse serait contre, je le prends. Vous n'avez pas le droit. Et je vous le paye. Ah, mince, mais c'est vrai. J'ai oublié. Le règlement, vous l'interdit. J'oublie. Mais vous pensez qu'il va arriver à la somme de 700 ou 800 ? Oui, il va le faire. Bon, ça va le faire. On va vous suivre de près en salle des ventes. Oui. Voici le pass à faire conclu. Merci, Julia. Belle vente. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Oui, il va avoir un succès. Ça va le faire, mais bien sûr. Bien sûr, ça va le faire.